Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le journal de Weasel News. On se retrouve aujourd'hui en compagnie du commandant. Pour ses raisons de sécurité, il va garder sa cagoule afin de ne pas révéler son identité. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc j'aurais quelques petites questions pour vous, comme par exemple, depuis maintenant combien de temps faites-vous partie de la LSPD? Plus de 3 semaines, hein. Tout va bien, tout va bien. Plus de 3 semaines, ouais. D'accord, d'accord. Est-ce que on a déjà pu vous apercevoir sur des interventions comme par exemple des braquages de bijouterie ou autre qu'il y a déjà eu dans cette ville? Ouais, prise d'otage, braquage de bijouterie, braquage de supérettes. D'accord. Donc vous m'avez dit par exemple pour le nombre d'effectifs, vous ne pouviez pas répondre à cette information? C'est exact, c'est bien exact. Ça. D'accord. Par rapport au centre de recrutement, j'ai appris qu'apparemment énormément de candidatures avaient été refusées, ou que ce soit sur le terrain ou directement sur l'écrit. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les raisons de ces refus? En gros, nous, on cherche des membres qui sont sérieux, disciplinés. Ok. La plupart des gens ne sont pas habilités pour ce travail, ou non, pas assez matures. Du coup, on préfère refuser et attendre d'avoir les bons effectifs pour avoir une LSPD correcte. D'accord, donc c'est des raisons, que ce soit physique ou mentale, c'est un peu des deux quoi. Exactement, exactement. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut connaître votre matricule ou ça aussi c'est des données qui sont non, top secrètes c'est... entre guillemets? Non, non, moi c'est 01, commandant 01. D'accord, d'accord. Ben écoutez, je vous remercie pour... Oui, donc merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Écoutez, merci à vous d'être venu au Comico. Oui, ça c'est... Merci à vous. Donc, on va se retrouver à la télé avec le concessionnaire. Ciao.